Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bon, ben pour la coupe des signes de terre, c'est comme je le disais, les signes d'eau ont eu de l'eau, les signes de terre ont de la terre. Donc tu vois, on a la carte du sanctuaire ici pour toi. Donc on est peut-être en repli, c'est beaucoup d'énergie de solitude hein, pour beaucoup de signes ici. Donc on est peut-être dans sa grotte en repli, on est peut-être en train de profiter de chez soi, on est bien chez soi, hein, c'est souvent ce qu'on dit quand on a la chance d'en avoir un, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-ci, on voit qu'on est un peu en repli sur son moi intérieur, sur connecté à soi et un peu plus isolé, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les racines. Ça peut nous parler de votre ancrage, de là où vous êtes enraciné, de là où vous habitez peut-être aussi. Ça peut être votre lieu. Ça peut être concernant aussi bah, de là où vous venez, de vos racines, de votre famille avec l'arbre. Ok? Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a un coup de balai. Avec le balai, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Concernant ben, cet enracinement ici, cet enracinement où vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, peut-être que vous n'avez pas l'impression de bouger avec le sanctuaire, et là les choses vont se nettoyer, vont se balayer. Ça peut être concernant la famille, vous voyez comment ça résonne en vous, et qu'est-ce qu'on a? Et là avec la méduse, ben, va pas falloir toucher sinon on va se piquer. La méduse, ok, elle est là, elle est belle, mais t'avises pas de marcher dessus sur la plage parce que je t'assure que tu vas le sentir passer. C'est pour l'avoir vécu que je peux en témoigner. Donc du coup, voilà, ce qui va être nettoyé, tu vas le faire de façon à devenir intouchable. C'est un peu comme ça que je ressens, ami Capricorne. Et c'est pas plus mal de ton sanctuaire. Il y a des choses que tu es en train de nettoyer, de purifier, concernant la famille, tes racines, de là où tu viens. Et là, tu es en train vraiment de te réharmoniser, je le sens comme ça, au niveau de tes émotions. Et il va plus falloir te toucher, j'ai envie de dire. On ne touche plus ici, chez les Capricornes.